3, 2, 1, 0. Waouh, quelle coupe de cheveux. C'est pas Benoît Hamon, ça, quand même. Si vous voulez que ce soit qui, vous le reconnaissez pas? Oh ben non, il a perdu la raison. Là, je crois qu'il faut qu'il se fasse soigner. Hein. Vous étiez au courant qu'il avait ce nouveau look? Ah, pas du tout, alors vraiment pas du tout. Mais il va faire quoi, là? Il va monter un groupe? C'est pas la peine qu'il se représente. Bah justement, il a fait cette coupe pour se représenter. Oh, le guignol. En fait, ça lui a fait un petit peu de mal de faire 6% à l'élection présidentielle. Donc, les cheveux, il fera peut-être 10. Mais vous croyez pas si bien dire? Il s'est dit, les gens n'ont pas imprimé mon visage, il faut que j'ai un signe physique distinctif. Ah bah ça, pour être distinctif, il est distinctif. Sur les premières estimations, il a déjà gagné 5%. Mais il faut dire qu'il démarre bas. Hein. Je suis vache. Hein. C'est le look le plus important et pas les idées. Exactement ça. Dans ce cas-là, il sera président. Il n'y a pas de souci. Pour faire politique avec ça, la politique avec ça, c'est impossible qu'il passe. Mais peut-être pour aller, je ne sais pas, draguer des petites minettes et tout ça, bah c'est bien pour lui. J'ai une petite érection parce qu'il est vraiment, excitant comme ça. Vous trouvez? Ah, il est superbe. Et bah, il a gagné un électeur de plus alors? Il a gardé un électeur de plus, ouais. Il a fait couler le PS, mais il a gagné un électeur de plus. C'est beau gosse. Non, il ressemble à rien. Non, t'aurais pas dû changer, mon gars. T'aurais dû rester comme t'étais. Rigole pas, tu peux rire.